Nous sommes à Saint-Jean-de-Luz sur la côte basque où se déroule le Festival international du film. 10 longs métrages et 8 courts métrages sont en compétition au cinéma Le Select. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver dans une salle et de rentrer et de ne rien connaître du film. Alors que les films qui sortent régulièrement, vous voyez des bandes-annonces, vous lisez des articles, vous voyez, ils passent dans les journaux, dans les émissions, et ils enlèvent un petit peu ce plaisir premier de découverte. Depuis la création du festival, l'organisation a toujours accordé une grande place aux jeunes. En effet, des lycéens ont chaque année la chance de rencontrer des professionnels du cinéma. Plusieurs d'entre eux ont eu l'opportunité d'être membres du jury. Les prix qui sont donnés par le jury jeune, soit qui plus est dotés par le fonds de dotation Porosus, qui est un partenaire du festival et qui permet donc aux jeunes de donner 2 bourses d'aide à l'écriture aux candidats qui ont gagné. Michèle Larocque, actrice et membre du jury 2014, se félicite de partager ces quelques jours consacrés au 7e art avec des plus jeunes. C'est formidable de pouvoir voir ces films et d'avoir leurs impressions et de voir à quel point elles sont différentes parfois des nôtres et de s'enrichir de justement cette connaissance, de votre vision à vous les jeunes. Vous l'aurez compris, le festival de Saint-Jean-de-Luz est devenu un événement incontournable. Alors, à vos agendas, rendez-vous l'année prochaine.